Salut tout le monde. Donc, je vous propose aujourd'hui une vidéo parce que à côté de chez moi il y avait une petite brocante. Alors, j'ai été et j'ai fait quelques petits achats. Donc, petits achats que je vais vous proposer. On va commencer par Tintin, enfin, les aventures de Tintin de Steven Spielberg et Peter Jackson. Donc, il est pas mal. Un pote à moi, j'avais été avec un pote à moi, il m'a dit qu'il était pas mal. Donc, pour le prix, donc acheter 50 centimes. Donc, édition simple, hein. Et pas de collector. Voilà, avec le disque et un peu de traces. Hein. Voilà, donc, acheter 50 centimes. Ensuite. Révélation de Al Pacino Russell Crowe. Donc, quand j'ai vu Russell Crowe et Al Pacino, j'ai lu un peu derrière. Donc, c'est un film un peu façon le rôle des hommes partis en croix dans une affaire de santé publique. Voilà, c'est un peu. Ouais, c'est un truc un peu judiciaire, un truc comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai lu un peu derrière. Donc, ça avait l'air pas mal. Donc, plus pour le prix aussi. Donc, 50 centimes aussi, oui, deux CD. Le livre. Ouais. Donc, acheter aussi 50 centimes. Ensuite, pour 4 euros, 4 euros, 9 aussi, c'est les chroniques de d'Erzsébet, le royaume assailli. Donc, je ne connaissais pas. J'ai lu un peu derrière et ça avait l'air pas mal. Ça se passe au Moyen-Âge, c'est la guerre pour le trône d'Erzsébet en 1574. Et donc, c'est un truc de corruption, voyez, donc corruption et bataille, des trucs de bataille. Donc, comme ça me plaît beaucoup, le truc comme ça, je dis que je vais prendre 4 euros. Ensuite, pour 50 centimes aussi, Aérobot de Will Smith, donc tout le monde connaît. Film, un bon film. Ça fait longtemps, donc je dis que je le verrais pas trop chandé, je le prenais. Donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Ouais. Petit dessin. Donc, voilà. Acheté aussi 50 centimes. Ensuite, pareil pour 50. C'était celui-là. Celui-là. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'était les trois. Les trois, ouais. Donc les trois, donc Transformers. Donc Transformers, voilà le premier. Donc celui-là, j'avais bien aimé le premier. Le seul que je préfère dans tous ceux qui sont sortis, ouais, c'est le premier. Ouais, avec Shia LaBeouf, Megan Fox, fait par Michael Bay, donc, et produit par Steven Spielberg. Donc ouais, donc quand j'ai vu aussi le prix. Celui-là, Mon beau-père et moi aussi connu. Donc le premier était. Il était marrant, j'ai bien déliré dessus, donc voilà. Et ensuite, la momie, édition Ultimate de DVD. Donc voilà, la momie, plongée dans les entrailles d'un film de genre, les plusieurs sarcophages, donc voilà, c'est pas mal. Un peu comme un film comme Jallo, j'aime bien. J'ai hésité à le prendre parce que j'avais acheté un coffret que je vous présenterai bientôt. C'est le coffret Jerry Bruckheimer, là, celui qui avait fait plein de films. Et je me demande si c'était la momie ou c'était un autre, et finalement c'était l'autre. Donc, voilà. Donc les trois pour 2 euros. Ensuite, King Kong version longue édition de luxe. Voilà. Avec 3 DVD. La version SUV du film, 6 heures de bonus, donc voilà, pas mal encore. Celui-là, je l'ai acheté, je crois, avec cela. Cela, c'était. Ouais, avec aussi. Avec RZBET, là. Donc ça m'a fait pour ouais, 6 euros. Voilà, donc. Déjà vu avec Denzel Washington. Voilà, donc. Denzel Washington, donc avec il y a qui dedans qui joue Denzel Washington, Paula Patton, pardon, si j'écorche son prénom. Donc voilà, j'ai lu derrière, ça me plaisait bien. Donc, comme c'est Denzel Washington, ensuite, Roger Rabbit, hein, donc, tout le monde connaît, film connu des studios Disney, c'est marrant. Au prix que je l'ai eu, j'allais le prendre. Hein. Et désolé pour les pétards aussi.
Et ensuite, pour 50 centimes pièce, la saison 1 de Scène de ménage. J'aime bien Scène de ménage, je regardais avant. Enfin, j'aime bien quand il y a juste les trois, en fait. Quand il y a merde, Huguette et... Huguette, ouais, Huguette et... Ouais, donc Marion Gabe-Gérard Hernandez, donc il fait Huguette et... Et je sais plus leur prénom. Quand il y a juste les trois coupes, j'aimais bien que la saison 1 et la saison 2. Voilà, en 4 et 5 DVD. Voilà, donc pour 50 centimes, ça dure. Ouais, voilà, donc en plus, le truc, ils sont pas abîmés. Hein, voilà, je vais vous montrer avec le four. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 DVD. Pour 5 DVD propres en plus, donc ça vaut le coup. Voilà, donc tout ça, hop, j'en ai eu pour ouais, pour 20 euros, ouais, 20 euros. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite un bon week-end et un bon visionnage. Voilà, merci.